à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Secret de Cuisine. J'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait avec le salpicon de légumes, là nous allons faire la vidéo numéro 2. Donc je vais vous montrer quel accompagnement avec ce salpicon de légumes. Aujourd'hui ce sera du saumon. On va faire un tartare. Et moi je vous retrouve tout de suite après l'intro. C'est parti. Alors, pour cette recette, donc là, j'ai pris du saumon. Donc, il faut prendre du saumon, bien entendu, frais, de bonne qualité. Là, nous avons du saumon d'Écosse. Et avec ça, nous allons faire notre tartare. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des fines tranches. Voilà. Et nous allons faire une découpe. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons hacher un peu de câpre, grossièrement. Voilà, comme ceci. Et là, je vais rajouter un peu de jus de câpre. Là, un peu d'aneth. Il nous reste plus qu'à mélanger. Et là, on va le laisser au frais au moins pendant une demi-heure. Voilà, maintenant nous allons passer au dressage. Donc, notre fameux salpicon de légumes.
Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Donc là, c'était la vidéo numéro 2. Il y aura encore une vidéo numéro 3 avec ce salpicon. Donc, c'est pour montrer, voilà, on part d'un légume de salpicon. On a rajouté ici un tartare de saumon cru, quelques garnitures. Donc là, c'était sur la première vidéo. Donc, c'était une mousse poivron, tomate et artichaut. On a rajouté un peu des œufs de lampe. Quelques fruits, le fruit se marie toujours avec le poisson ou une viande. Donc c'est un plat qui se mange frais. Donc là c'est une assiette pour deux. Donc si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo ou bien tout simplement vous abonner à notre chaîne Secrets de Cuisine. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente dégustation et je vous retrouve là pour la prochaine fois pour la vidéo numéro 3, toujours avec ce salpicon de légumes. Salut, bye bye, au revoir.